S'exprimant lors d'une conférence organisée par l'Institut des hautes études de management HEM de Fès sur le thème « L'école au cœur du débat », le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Saïd Mzazi a affirmé que la formation des enseignants est un projet d'importance majeure dans le chantier de réforme du système de l'éducation et de la formation en cours de mise en œuvre. Nous sommes en train de bâtir les vraies fondations d'une école marocaine, une école ouverte, une école moderne et une école qui va permettre l'épanouissement et la promotion des enfants mais également de la société. Énormément de chantiers ont été ouverts depuis l'année dernière au niveau du préscolaire. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde que ce préscolaire est déterminant pour la réussite des élèves, pour réduire également l'abandon scolaire. Une réforme au niveau curriculaire, énormément de chantiers de réforme au niveau des programmes, des méthodes pédagogiques, l'introduction du numérique comme outil d'apprentissage, mais également outil de réussite. Un chantier au niveau de la formation initiale des enseignants, la formation continue des enseignants, partant du fait que l'enseignant constitue le pilier fondamental de cette réforme. Monsieur Mzazi a par ailleurs souligné que la réforme du système de l'éducation est un chantier à la fois vaste et passionnant dans la mesure où elle commence dès le jeune âge, mettant l'accent dans ce cadre sur la nécessité de généraliser un enseignement préscolaire de qualité et conforme aux standards internationaux pour réussir l'école de l'avenir. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du cycle de débat « Les décideurs en question » organisé par HEM et qui accueille les décideurs et les leaders politiques pour débattre des questions d'actualité.